Oh, incroyable. Écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration de monde que vous connaissez forcément. Ouais, ça peut s'appeler comme ça la série. Ça mériterait des avatars. Et je crois qu'il y en a peut-être un peu. Ah, bah nous avons Harry Potter. Bah go le prendre. Il est plutôt... Ah, tu sais, voir l'ombre de son personnage, c'est quand même assez impressionnant. Et j'ai l'impression de m'être vraiment transformé. Est-ce que je serais trop... Est-ce que je serais trop... Oh ah, écoutez. Oh, la musique qui s'y prête parfaitement. Plus, je vais aller plus vite. Bon, c'est pas mal déjà. Ah ouais, d'accord. Mais comment je fais pour vraiment me diriger? Ah ouais. Oh. Énorme. Oh, c'est trop bien. En plus, moi, je suis bien. Incroyable. Oh. Alors, bon, on va juste faire le tour parce que j'ai envie d'explorer Poudlard dans l'ordre, on va dire. À la cape 1. 1. Alors. Ah oui, d'accord, donc ça... Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est vraiment comme ça dans le vrai Harry Potter? Est-ce que vraiment, dès qu'on rentre, il y a directement la grande salle comme ça? Parce que... C'est plutôt pas mal. Gryffondor, j'ai une annonce à vous faire. Ce soir, il y aura une coupe de Quidditch. J'espère que Gryffondor vont gagner. Que le héros va gagner. Attention. Bon, suivant. Oh... Je crois qu'ils ont dû extraire cette map d'un jeu d'Harry Potter. Je fais quoi? Je monte en haut, je porte en bas. Ça, c'est, tu vois, c'est un peu la grande peur que j'avais de tous les lycées auxquels je voulais commencer à travailler. C'était en mode, est-ce que je vais réussir à me retrouver? Genre, retrouver la salle 103, par exemple. Ah ben, là, c'est l'interrogation. Et là, du coup, où est-ce que je vais? Cette salle, enfin, cet endroit me dit rien du tout. C'est pas la chambre des secrets? Genre un délire comme ça? Non. Et donc là, je rejoins quelle salle? Ah, je rejoins... Là. Là, je ne trouve clairement pas la salle 103, par exemple. Ok, donc on va juste monter les escaliers. C'est juste impressionnant, mais... Globalement, à gauche, ça mène au même endroit qu'à droite. Très intéressant. Ah, à part ces escaliers assez étranges, y a-t-il vraiment un autre chemin important? Je commence un peu à être déçu. Ça a commencé... Ouh, ça a commencé bien, mais... Je veux... une chambre! Putain, incroyable. Salut les gars, je m'appelle Harry Potter. Eh, on y va? Hein? Je vais m'envoler! Wouh! Si ma mémoire est bonne, juste là. Je suis bloqué. Oh non. Bon, bah allez, marche. Marche. Bah écoutez, c'est la fin de cette map. Bah c'était la fin de cette vidéo concernant Poudlard. Sur le monde d'Harry Potter. Là, je vous tease déjà la prochaine vidéo que je compte peut-être faire, je sais pas encore. Mais ça va être, regardez ça, ouhou, si vous connaissez un peu ce genre de décor, vous tout comprendrez que c'est par rapport à Dragon Ball Z. Ok, j'expliquerai ça mieux dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. C'était le monde d'Harry Potter. Voilà, je vais essayer de faire des explorations de monde par rapport à des films, à des jeux vidéo. Comme ça, au moins, c'est intéressant, des petites explorations comme ça. Donc je vous dis ciao, portez-vous bien. Yeah.